faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous étiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous jouiez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Militante antifasciste aussi, en fait, entre parenthèses.
derrière. Voilà, donc et je voulais dire que je suis super émue et je voudrais rendre à César ce qui est à César. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec une partie de l'équipe et ils ont appris ce que, enfin, l'objectif c'était l'autogestion, l'autonomie comme par hasard. Et en fait, ils ont tout compris, ils sont pris en charge, donc là on peut vraiment les applaudir parce que c'est vrai. Ce projet, c'est Georgia, ici présent. Et Georgia, on a dit, à la fin du dernier spectacle, enfin quelques jours après quand même, parce qu'on était un peu fatigué, et elle m'a dit, madame, ce serait bien qu'on mette en scène, enfin c'est une BD en fait, hein, les culottés, de Pénélope Pageux. Je lui ai dit, ok, moi je pars, c'est votre projet, j'aime bien que ce soit les élèves qui décident des choses, donc ça me va, sauf que c'est BD. Donc, en fait, je tiens à dire que ce sont les élèves qui ont écrit cette pièce de théâtre. Paroles et plein de chansons. Je veux dire, à dire que ceux qui ont écrit, par exemple, le scénario de personnage, ils ont élaboré la mise en scène. Enfin, ils n'ont pas élaboré tout seul, parce que c'est toujours un travail collectif, mais ils étaient un petit peu maîtres d'œuvre dans ce personnage. Et vous voyez, ils y ont mis plein de belles choses, de la danse, de la musique, du chant. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Il y a énormément de personnages, ils les ont choisis, ça a été compliqué de les choisir, parce qu'il y a des femmes magnifiques, hein, dans l'histoire du monde. Voilà. Donc, comment vous dire, hein, je suis super émue, parce qu'il y a eu un travail de titan. Je sais pas si vous en apercevez, mais c'est quelque chose d'énorme, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont créé. Moi, je suis très fière de cette aventure, et en même temps, je suis un peu triste, parce que je vais quitter pas mal d'entre vous, mais je pense qu'on se donnera des nouvelles, on ira au théâtre à Paris, on essaiera de faire des choses ensemble. Mais il y a quand même des recrues, il y a Maëlle. Bravo à Maëlle. Il y a Fanny, qui est une ancienne de la troupe, et qui est... Il y a Georgia qui est un des plus. Il y a Yaya qui va rester avec nous. Il y a Julia qui a beaucoup travaillé sur les mises en scène. Elle a fait une super vidéo. Merci beaucoup. Et Marie-Louise, notre super générale. Elle va traverser d'autres espaces, d'autres univers. Il y a Océane. Océane, tu as beaucoup travaillé aussi sur cette mise en scène. Alors, Jérémy, je crois que tu n'as pas le travail. Jérémy est un peu impressionnant parce qu'il chante, il danse, il joue excellent. Vraiment génialement bien, et en plus il travaille beaucoup sur la technique, les lumières, enfin bref, il est impressionnant, hein. Moi, c'est des gens, on dit toujours les jeunes, mais moi il m'impressionne, hein, franchement, voilà. Il y a Jolan, notre danseur. Et j'appelle, il y a un Jordan, il
Alors, lui aussi, on a des remerciements à faire. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les oreilles attentives, c'est-à-dire le lycée, nos familles qui nous ont écoutés et qui nous ont ainsi permis de donner vie à notre pièce. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, lors de la journée porte ouverte du lors de la journée porte ouverte du lycée, il y a un ancien élève qui est venu et qui nous a parlé d'une première tentative de club théâtre qui avait eu lieu et qui avait échoué. Et du coup, on voulait remercier tous les élèves qui ont toqué et toqueront à la porte du club et qui lui permettront de vivre encore longtemps. On doit aussi un grand merci à Madame Bretin, Monsieur Martinez et le lycée pour leur grand soutien. Je voulais aussi dire merci à Madame Genolini, pardon, qui nous a aidés pour toutes les danses. Je voulais aussi remercier Miss Fan qui nous avait aidés au niveau linguistique. Et je voulais remercier Monsieur Lardé qui nous a prêté sa voix pour la petite amie que vous avez entendue. Et merci à Madame Roger pour son accompagnement et pour la couture. Merci aussi au Théâtre de Provence de nous avoir accueillis et de nous avoir Merci aussi à Guillaume et Jean-Philippe qui nous ont accompagnés toute la journée à la régie. Et surtout Guillaume qui ce soir était tout seul pour nous aider. Merci au Clabard qui a si joliment participé. Les petites voix que vous voyez, bah, c'est les élèves qui ont fait. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la Web TV et très particulièrement à Aya pour son investissement d'être à la caméra, pour le travail de montage. Merci à l'école de la Neuville qui nous a prêté des costumes. Merci aussi à Pénélope Nageux qui nous a permis d'adapter tout ce que vous venez voir en fait. Et bien évidemment, le plus important, merci à Madame Gutiérrez pour sa bienveillance. Et bien sûr, merci à vous les musiciens.